Salut à tous, c'est Kiwi de retour avec Flerken pour le troisième épisode de Halo 3 ODST en Cooperations. Hello Flerkens. calme-toi. Moi je parle pas anglais, je veux pas imposer ça aux gens. Hi. Voilà, hein. Hola, que tal? Hola, que tal Flerkens? Ce mélange. Ouais, c'est un peu dégueulasse d'ailleurs. Flerkens, je trouve que ça le fait pas. Ouais, c'est prononcé à l'américaine. Hey Flerkens. Ouais, non, mais non. Je préfère Flerken. Ça marche. Les petits amis, si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, mettez un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines aventures. Qu'est-ce que c'était que cet accent anglo-saxon là, dégueulasse. Oh là là. Ah putain, dans la prochaine, je fais une intro avec un accent dégueulasse anglais, quoi. Oh non. Ça y est, on l'a déjà pris là, pas besoin de le refaire. Ah c'est ça. Allez, reprenons tout de suite le missions. Donc là, on a fait Buck, on va faire Dutch, si j'ai bien compris. Réserve de l'élévateur. Je sais plus. Ah, lancer l'assaut à bord du Warthog. Dis donc. Va-t-on revoir des niveaux comme à l'ancienne? Mais c'est fou ça, on va peut-être revoir des niveaux comme à l'ancienne. Réserve naturelle, on n'est pas en ville là. Non. On n'est pas en ville. Ah, on peut bouger la caméra. Ah non, bon, je croyais. Ah, tout de suite c'est plus lumineux là. Ouais, pas besoin de... Je vais rester un peu sur la terre ferme. Putain, mais je me rappelais plus du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette arme de ouf? Bah c'est, elle est pas à nous. Elle est bien hein. Moi j'ai pas ça hein. T'as une arme toi? Ah toi tu l'as mais moi Et si tu non, check on m'a laissé que le petit flingue. D'accord. Je vois ce que ça fait. Attends, voyons s'il y a un truc là. Ah non mais c'était une capsule ça. Ok d'accord, par contre j'ai que 5 cartouches. Ok, je regrette d'avoir tiré. Ouais d'accord, donc t'en as plus que 4 maintenant, super. Ouais c'est ça, oh y'a des zèbres. Y'a des zèbres. Ouais d'accord. Chouette, on fait une petite grenade. Oh, j'ai failli me tuer. Oh là 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 là. Tu le laisses 5 minutes et il fait n'importe quoi. J'ai failli me tuer. Allez, viens, arrête de mettre le doigt sur la gâchette. Sur la détente. Et puis, viens ici. Tu viens par ici. Oh, il y a du monde. Il y a des véhicules. Hop, 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 hop. Voilà, un petit, hop. Pas mal. Oh, il fait mal lui. Il fait mal mais il est mort. Hop, il est mort. Je veux des armes. Boum. Toi t'es mort. Ça fait mal ça. Ça fait très mal. Notre chef veut qu'on nettoie ce secteur. Je monte. Affirmatif. Ok. J'ai déjà vu un petit véhicule par là-bas. Attends, on va d'abord aller. Ouais. Oh, ça va alors. Ouais, et puis ça se manipule. Banzai. Ça se manie vachement bien. Waouh. Waouh. Crève. Putain, c'est chaud, ouais, dis donc. Pas content dans le char, quoi. Voilà. Il y en a un là, non? C'est mort. C'est un moi. Ah, il y a encore les pote, super ça. Motos. Ouais, c'est clair. Regarde ça, la grosse moto, là, devant nous, là. Regarde lui, là. Il est bloqué, là. C'est un pote à nous, ça? C'est pas un pote à nous, ça? C'est pas un pote à nous, ça. Tu vas où, là? Je sais pas, je suis bloqué. Qu'est-ce que tu fais? Je fais de la merde. Bah oui. Je fais de la merde. Les gars, ne montez jamais dans la voiture avec Kiwi. Je sais pas où il vous emmène, mais c'est la merde. Je fais de la merde. Je veux pas mourir. Je crois que je suis un peu trop loin pour le char. Vas-y, le char, je pense qu'on est à portée là. Oui, là c'est bon. Je vais lui tourner autour. Ah, je suis bloqué. Oh putain. C'est bon. Je peux même pas lui laisser le volant, quoi. C'est bon, je crois. T'as la gueule du Warthog. T'as le pare-choc à arrière, oui, qui se barre un couille. Rapport, mon colonel. Tu seras pas de venir, soldat. Traverser le parc pour rejoindre la position.
J'ai l'impression que les roues elles vont partir en couille quoi. Un peu ouais, bah quand moi je les vois exprès, depuis là où je suis, Il y a une ouais, carte. Faut une sale gueule. Il y a une la deuxième section de. J'ai pas vu. La section des Marines. Dispersé, mort, j'en oui, sais rien. Trouver la deuxième section de Marines. De Marines. Ouais, ça sent le petit saut ça. Attends, mais c'est trop bien ce petit niveau là. Ouh, j'ai vu du monde. Ferme là, toi. Ah oui, là, là-bas. Oh, bâtard. Oh, elle reste pas en ligne droite, sinon on va se faire déglinguer. Bah, le Warthog mais est voilà, mort, là. Bah, super, plus de Warthog, quoi. Attends, j'en ai un autre. On va prendre le Warthog de lui, là. Viens par ici, toi. Arrête-toi, là. Hey. Je prends ta place. Dégage. Flarken, j'ai volé un véhicule. Oui, je peux pique la tourelle. Pousse-toi, toi. Ouais. C'est bon, fais ça. Fais ça bien, Kiwi, parce qu'on en a pas 50, hein. Non, il faut qu'on avance, là. Par contre, faut pas qu'on reste là. Reste pas là, aidez-moi à trouver. Allez. On va les contourner, on va les prendre à revers et on va les défoncer. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, là, connard? Bouge-le, ton Warthog de merde. Est-ce que ça marche toujours, ça? Oui, ça marche toujours. Il est mort, lui, il est mort, ok. Ben voilà, c'est bon. Ils étaient où les mecs? Ils étaient ici. Tiens, j'aime pas les antennes moi. Y'en a un là. Aïe 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 aïe. Faut qu'on aille par où? Faut qu'on aille par là-bas. Donc on peut traverser l'eau là? Bah, au pire, y'a un chemin sur le côté. Ah, je le tente. Allez. Point de contrôle. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je sais pas, mais il le fait pas longtemps. Non, ça c'est sûr. Il y a des banshees. Manchi. Oh putain, ils nous volent, ils nous rasent. Hein. Ils vont nous tirer dessus, ces bâtards. Ah, bande de bâtards là. Je te mets pas trop dessous parce que la tourelle elle monte pas en hauteur donc. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Je suis obligé de tirer. J'ai cru comprendre. Bien joué. J'ai cru comprendre que la tourelle. Putain, mais ils nous. Ils le font exprès en fait, je pense. Hein. Bon, on va y retourner. Waouh! Ça, c'est une antenne. Par là-bas qu'on va aller? Par là-bas. Pas de trou, hein. Pas de crevasse, là. Attention à la tourelle! Elle est pour moi, la tourelle. J'ai pas confiance à ces gros trucs rouges, là. Bien joué, bien joué. Oui, c'est les tourelles. Ça fait extrêmement mal. Tourelle, la moto aussi elle est pas mal. Tocard, tu t'es coincé. Salut. Tocard, tu t'es coincé. Liquider ces humains, non je crois pas, non. Encore une tourelle. Waouh. Je recule un peu. Faut que tu fasses des virages, si tu restes tout droit, les impacts te touchent quand même. Tu veux toi. Il y a un petit ici. C'est pas mal ça. J'adore ce niveau là. Mais qui fait rien à part conduire. Mais c'est clair, mais moi je kiffe. Hein. Lui là, il fait quoi lui là? Il a voulu se barrer. Je le rattrape. Mais il s'est barré où? Je sais pas. Et il conduit vite lui. Il a fait un excès de vitesse, mon gars. C'est clair. Tu vois, le mec qui pose le radar dans le taxi là et qui finit à walper parce que ça va trop vite, ben on a fait pareil là. C'est clair. Mais où est-ce qu'il est passé? Genre il t'a fumé mon gars. Mais attends. Mais où est-ce qu'il est parti le mec? Oh putain, il va nous retourner la bagnole. Mais attends, il nous a mis un vent? Bah totalement. C'est quoi ces conneries? Quelle espèce d'insolent. C'était une taupe. Le mec il devait fuir. Il a réussi. Bah il a réussi. C'était leur informateur qui devait transmettre des données. Tu sais, dans Left 4 Dead, là, t'as un mec qui est toujours bien sapé, bien chargé en munitions, en trousse de secours et tout, il se barre. Bah là, il a fait pareil. Mec, il a été insolent, quoi. C'est par là? Je sais pas si c'est là qu'il faut. Pas du tout. Il y a des images de pandas et de tigres. Je pense qu'il faut qu'on aille. Ouais, c'est par là-bas. Ok, en fin de compte, faut partir par là-bas. Il fallait bien suivre ce connard là, cet insolent. Si tu vas. Non.
C'est insolent. Si tu vas à droite là-bas. Ouais, c'est ça, regarde. Vas-y. Quand tu mets le c'est radar. T'es allé en face, couillon. Quand tu mets le radar. Tu vas à droite. Et ouais, c'est ça, mais t'es allé en face. Oh là là. Mais moi, je suis la petite tête de Goga là. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Voilà, oh, bien joué. Il peut pas nous tirer dessus. Oh, bien joué. Oh, joli réflexe. Chef. Ouais, bon, j'ai trop d'heures d'allô pour pas. Il y a des gros véhicules par là-bas là. Regarde, il va en larguer un là. Ouais, il fait m'avancer. Trop loin, je pense. T'inquiète pas, on va aller les chercher. Je suis trop loin. Ils sont pas si nombreux que ça. Faut se les. Waouh! Bon, on y va, hein. On va dans l'arène. Ah hein. Oh, non, mais écoute, occupe-toi de conduire, va. Regarde. Hop. Ah là 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 là. Mais pourquoi tu vas contre le mur? Parce que j'ai failli crever là. Ok, hop là, ça c'est une autre. Oh, bien joué! C'est bon, les gars, je vous ai détendu un peu là ou. Putain. Lui, là-bas! C'est un des nôtres. Ah bon? Je crois pas. Hein. J'ai l'impression. Ah, ça y est, putain, le capture il a mis du temps à se mettre en rouge. Oh là là, il y a un gros truc là! Ça va chauffer! Vas-y, roule. Fais des. Toi, mon gars, tu vas te détendre. Je suis dans le rouge. Lui, il va nous mettre mal, lui. Hein. Ouais, bien joué. Il va rien nous mettre du tout, lui. Allez. Hop, voilà. Oh, il y en a un autre. Oh, oui, allez, très bien, il n'y a pas de problème. J'en ai pour un, j'en ai pour deux, j'en ai pour tout le monde. Allez. Tu vas crever, oui. Voilà, t'es en train de crever là, c'est bien. J'aime bien quand t'es comme ça. Ah, comment je parle plus là, justement que je suis concentré. Faut que tu bouges, hein. Si tu bouges pas, on va se faire dézinguer. Voilà. Ça, c'est un poteau. Ça, c'est un des nôtres. Ouais, je l'ai vu piquer le truc. Ça y est, c'est là-dedans qu'on va? Pas du tout. Je sais pas. Si, peut-être. Hein. Ça, c'est peut-être. Ah, je oui, crois. Oui, c'est par là. Ouais, c'est par là. Il rentre dans le mur, lui. Il pilote aussi bien que toi. Oh, la tourelle qui se fait défoncer. Waouh, et c'est pas qu'une tourelle, regarde, ça monte jusque dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce truc? J'avoue, c'est un truc de dingue, comme tu dis. Chargement terminé. Bordel, il est mort. Y'a pas des trucs de soin là? Non, je pense pas que ce soit du soin ça. Attends, c'est quoi ça? Je vais aller juste vérifier pour voir ce que c'est. Ouvrir le truc les données. En face là. Trouver le colonel de l'autre côté du pont, conduisez le véhicule hors du quoi? Du parc. Hors du parc. Okay. La capsule au coin du mur là, ça, c'est peut-être des soins ça là. Ça? Ah ouais. Ouais. Ah oui, merci. Ouais. J'étais dans le mal. Heureusement que là. Je suis là. Oh mais oui, mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Mais je sais pas. Hein. D'autres let's play. Je pas la loi en tout cas. C'est ça. Je ferais d'autres jeux. Ouais. Mais tiens, lui là. Oh mais quel tocard lui. Qu'est-ce qu'il est ridicule. J'aime pas du tout ça. Oh, ils utilisent une tourelle. Bah tiens, il y en a plus. C'est bon, tu lui as roulé dessus là? Ouais. Qu'est-ce que tu veux toi? Je sais pas trop, mais ils ne veulent plus rien. Hop là. Tiens. C'était ton dernier saut, mon gars. C'était ton dernier mot? C'est votre dernier mot? Oh oui, Jean-Pierre. Allez, fais le plein d'essence. Maintenant que ça coûte 2 euros. Ah ouais, c'est vrai. Et puis voilà, c'est bon, après on est bien. C'est t'en vrai, mets pas ça. Trop parce que ça coûte cher. C'est vrai. Oh, c'est quoi ce bordel là? Je sais pas, remarque. Si les vidéos sont publiées en janvier, je sais pas combien est le litre. Mais bon, là chez moi ça descend un peu. Mais on vient de passer la période à 2,10€ le litre, ça va quoi.
Pénurie d'essence et compagnie, c'est top. Hein. Et j'ai entendu un soldat dire va te faire mettre. Ouais, moi aussi, ouais. Il m'a semblé. Ouah, ça c'est les miens. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça va. De la merde. Ça va. J'ai esquivé les miens là. Je pensais écraser des Covenants et en fin de compte, quand je les ai vus. Quand je les ai vus, j'ai accéléré pour leur sauter par-dessus quoi. Voilà, ça, c'est de la bonne musique. Oh, il y a un char, il y a un char. Ah, effectivement, il y a un char. Il s'est fait dépoiler un peu. Il s'est fait dépoiler, il n'y a plus de conducteur. Enfin, il n'y a plus de tireur. Il n'y a que le conducteur. Ok, le conducteur, il est mort. Et toi aussi, t'es mort. Bien joué. On est bien là. On est très bien même. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut aller par là-bas. Ouais. Ok, c'est parti. À moins qu'on en vienne, je sais même plus là. J'ai perdu mon sens de. Moi, je suis le, curseur, là. Donc normalement, on n'en vient pas quoi. Fantôme, qu'est-ce que tu veux toi? Oh, le fantôme, il nous emmerde. Ah. C'était un véhicule neuf, ça, je crois. C'est ça. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Bah vas-y, défonce-le bien. Il est mort là? Ok, il est mort. Oui, il est mort, oui. Comme ça, on est sûr que les ennemis ne vont pas le récupérer. Ah, il va falloir descendre ou alors faire appel à Métalan de. Ah, ben non. Non, t'inquiète. Wow. T'en veux encore? C'est quoi ces trucs qui pendent en dessous là? Je sais pas. C'est bizarre, hein? Ah, ok. Avance! J'avance. Oh, j'ai eu peur, hein. T'as besoin d'une munition sur les. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Bon, faut que tu tournes, sinon on va se faire défoncer. Ouais, voilà. Le cimetière de Covenant, ça va être ici. Oh putain! Wow. Je peux encore tirer! Je suis mort, je crois. Ah, moi aussi. Merde! On s'est fait défoncer. C'est qu'on est loin, très bien. Oh, très bien. Ça va. Putain, le jeu est gentil, hein. Le jeu est vraiment gentil, quoi. Putain, y'a plus personne. Ils ont des grosses armes, hein. Montre-moi ça. Le gros canon jaune, tu sais, c'est les trucs qui tirent les gros projectiles verts. Ouais. Comme la, sur Halo Popo 3. C'était 3 le dernier qu'on a fait? Oui, c'est ça, c'était 3, ouais. Oh, la musique elle envoie grave, hein. Ok, ouais. Ah, c'est de la gadoue ça. Alors attends, on va par là-bas. Oh là 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 là. On va par là-bas. Heureusement qu'il y a le petit marqueur parce que c'est cool ça. Ça t'indique le chemin. Ça, non. Oh dis donc, on a été sauvés. Si, d'accord, mais si juste en fait. Qu'on a pas... Oh bah d'accord. T'as pas conduit comme ça, hein. Moi j'ai eu peur d'y aller, moi. J'étais en train de me dire ah, marche arrière. Seigneur. Ouais, ça c'est sûr, t'es pas un pilote. Faites que les cascades soient finies pour aujourd'hui. Déjà? On a mis que 18 minutes quoi. On a mis que 18 tant minutes. Mieux. Oui. Tant mieux. Et je dois en penser quoi? En fait, on était sur les. Putain, ça explose quand je parle, c'est bon, fou ça. Je crois qu'on s'en servira plus, la voiture. Amen. On était sur les abords de la ville, en fait. Ouais. Donc, il va falloir qu'on aille chercher le nouvel indice. On est de retour dans les rues de Mombasa. Encore. Bah oui, mais ça va être tout au long du jeu, ça. On dit les rues de. Ah oui, c'est vrai. On dit les rues de Mombasa ou Mombasa? Je sais pas. Mombasa, je sais pas, je les ai pas entendu dire dans la cinématique. T'as pas envie de le dire là? Allez, n'abusez pas. On est de retour sur Mombasa. Merde. Ah, tous les succès que je déverrouille. Un peu, ouais. Ok, il y a deux points d'accroche. Je sais pas si toi t'arrives à les afficher. Putain, je vais y arriver. À les afficher, ouais, les deux points là, ça fait des petits radars, des petites têtes jaunes. Non? Oui, ça y est. Il y en a deux.
Je sais où est la touche. Alors, voyons voir le plan. Ils nous disent d'aller par là et par là. Ouais. Oh, j'adore. Hein. Moi, vraiment, j'adore. Hein. J'irai pas jusqu'à dire que c'est mon jeu à Halo préféré pour le moment, mais... J'adore le fait qu'on soit vraiment pas des gros Spartans over-cheatés, quoi. Oh là là, c'est pas drôle, sinon. La grenade que t'as pris tout à l'heure, elle est pour moi. C'était un bouclier, je crois. La musique est vraiment chelou, par contre. Hein. Oui. Plus du tout les musiques d'Halo qu'on a l'habitude d'écouter. Non, ça fait un petit peu... Contact ? Non ? Ah non, c'est la machine qui parle, ils m'ont fait peur. Là, ça fait un peu penser à un petit Resident Evil avec une petite musique calme lorsqu'on se promène dans les couloirs avec les zombies et tout, là. Ah, je suis en train de... Alors maintenant, ça, vu le temps de publication, c'est pas sûrement plus d'actualité, mais... C'est quoi ? Je suis en train de regarder, le soir, je regarde Monsieur Viking Bork, qui stream du Resident Evil 2, je crois. Ouais, bien. Il est dans un commissariat, il avance, il récupère des pièces et tout. Ah, et c'est assez sympa. En plus, j'ai réussi à le motiver pour mettre sa webcam. Ah, bien. Donc, on peut voir sa tête et ses réactions en direct, c'est magique. C'est le remake de Resident Evil 2, il est vachement bien fait. Je crois, ouais. Ah, genre, je sais pas, moi j'en ai pas vu beaucoup, donc c'est le premier que je vois, mais... C'est une série entière que je ferai sur ma chaîne aussi, ça met dans longtemps, quoi. Ben, c'est super sympa. Hein. Ah oui, ça pose bien. Bien flippant, hein. En tout cas. Oui, c'est vraiment énorme. Ce sont vraiment ce que je trouve un peu dommage, c'est que, tu vois, quand il utilise des armes sur les têtes des zombies, ouais, il faut 3-4 balles pour l'exploser, quoi. Ouais, et encore, des fois, les zombies se relèvent, quoi. C'est, Ouais, oui. Je trouve pas ça trop réaliste, quand même, mais bon. Oui. C'est vrai que sur ce jeu, ils ont rendu les zombies vachement résistants, quoi. Ouais. Il faut vraiment que la tête soit explosée. Et encore, quand le zombie est au sol, il faut vraiment que tu le termines à coups de couteau parce que sinon, tu gaspilles tes munitions pour rien, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est pareil. J'ai vu, le couteau, il peut le casser. Oui, exact. Je trouve ça un peu dommage. Surtout quand tu vois les couteaux de combat qui sont fournis. Oui, c'est étonnant que... Ouais, c'est ça. Franchement, ouais. C'est vrai qu'ils ont des sacrés gros couteaux et ils les cassent en quelques coups, quoi. Quand tu vois les couteaux du quotidien qu'on a qui cassent pas, ça me fait bien rire de voir que l'autre il casse en 2-2. Bon. Ah, je trouve ça un peu mal fait. Contact. Il y a du monde, ouais. Mais niveau réaction en live, c'est assez sympa. Je vais avoir un gros canon. Il y a même 3 gros canons. Oui, il y a un gros ballon aussi. Tiens, une grenade sur ta gueule. Voilà, hop. Je vais avoir... Oh ! Qui c'est qui me snipe dans le dos ? C'est dans le dos ou c'est tout là-haut ? C'est tout là-haut. Il est mort. Tant mieux. Le sniper est tombé. Moi, je prends ça. Je vais recharger. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a de l'argent partout qui tombe, là. Il y a encore des téléphones qui sonnent. Ouais, donc Resident Evil, c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment d'excellents jeux. Super ambiance, quoi. Et un bon scénario en plus, vraiment. Tu ne peux pas arrêter le train. Bien mieux que la série de merde qui porte le même nom. Ça suffit, Virgile. Qu'est-ce que vous faites, espèce de... Quoi, ils ont fait une série Resident Evil ? Ouais, récemment sur Netflix, là. Ah. Mais c'est naze. Oh, j'ai pas regardé. Moi, je suis resté. Moi, je suis resté au film avec Mila Jojo Beach. Qu'est-ce qui se passe ? Mila Jojo Beach. Mila Jojo Beach. Et pourquoi pas Mila Jojo Beach? Qu'est-ce que c'est? Non. Jojo Beach, déjà, on comprend, c'est le principal. Ça va faire rire comme Get Some. Comme Get Some, ouais. Dis-moi que tu valides Jojo Beach comme Get Some. Vous savez, le train n'a pas tort. D'ailleurs, ouais, non, comme Get Some, c'est ça. Dis-nous si tu préfères Jojo Beach ou Jojo Beach. Ou Jojo Beach. Ça marchait quand j'étais gamine. Oh, j'ai un audio, c'est insupportable là. Ouvre les portes. Allez. La petite musique me plaît bien là. Moi j'ai pas de musique, moi j'ai un audio dégueulasse là. Virgile, va en enfer. Faut que j'arrête de les prendre. C'est chiant ça. Ah bah oui.
chaque fois tu te fais avoir. En plus, c'est le même audio que tout à l'heure là. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Ok, il y a un gros balourd là-bas. Putain. Il est mort ! Oui ! Il est mort ! Le soleil ! Quoi ? C'est une chanson un peu naze. Hop là ! Toi t'es mort. Contact ! Contact. Allez. Putain, si on désactive la visée là, on voit plus rien. Ah ouais, non, c'est une cata. Hein. Qui c'est qui me tire dessus là ? Qui c'est qui est mort comme, comme Marion Cotillard là ? J'adore. Ouh, je t'ai vu toi. T'es mort. Point de contrôle. Sniper. Ça j'aime, ça j'aime. Et c'est pas la marque de téléphone portable. Hein. Oh putain, non, celle-là. Non, ah, mais non. Ah, si. Non, ah, si. Non, non, c'est pas possible. Ah, comment je me valide tout seul. De toute façon, il y en a qui comprendront même pas parce qu'ils sont pas assez vieux. Donc, ah, voilà. C'est clair. Je peux pas valider. Il ça. Va falloir expliquer la blague de merde. Non. Oh là là. Mais si, il y en a, ils sont trop jeunes. Eh, les petits amis, la marque Sagem, c'était des marques de téléphone portable. Hein. Ouais, dans les années 90-2000, quoi. Ouais, ça j'aime. Ça n'existe plus. Je suis sûr qu'il y a la moitié de tes viewers qui ont pas cet âge-là. Ah, c'est ça. Ah, c'est ouf. Qui connaît la Coupe du Monde 98? C'est vrai. Dites-nous en commentaire si vous étiez, si vous étiez vivant. Si vous ouais, étiez vivant. Même pas, si vous étiez vivant si et vous que vous en avez un souvenir surtout, que vous en avez profité parce que... Si vous étiez vivant, elle est bizarre cette phrase. Il y a un truc qui vole au-dessus de toi, là. Ah, merde. C'est chelou. Non, il veut pas crever. Je me... Ah. Hop là, voilà. Je crois qu'il est mort. Oh, ben non, il était pas mort. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Ben c'est pas grave, voilà. Tu as mangé une grenade. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Moi, je voulais un autre canon. Il y a un lance-roquette, si tu veux. Un lance-grenade. À mes pieds. Non, ça va. Non? Ben tant pis, alors. Non, ça va, je boude. Hop. J'ai mon canon, je l'ai fini contre le truc qui volait, là, je suis triste. Ouh, je vois un petit point rouge là-bas, je vais sniper ça. Ah, j'en vois plusieurs, moi. Je vais monter. Oh là, il y a des hunters. Oui, oh merde, j'ai essayé de le sniper, comment veux-tu que je lui fasse du mal avec ça? Putain, et puis le point changer. De, le prochain point, il est derrière ces gros hunters, là. Ouh. Il va falloir y aller sévère. Raté. Allez, je vous tire dessus! Et un à moi! Allez! Il a explosé l'autre! Hein. Putain, mais pars pas, espèce d'échappée là! Oh, il y a plein de petits! Mais il part loin! Un peu, oui! Je crois qu'il a plus de casque! Je crois qu'il a plus de casque! Il est mort! Hop là, hop là, hop là, hop là, il m'a touché! Mais qu'est-ce qu'il veut lui là, le petit tio là? Ah, oh, il m'a raté! Raté! Ah, j'ai plus d'armes! J'ai plus de munitions! Il est mort! Ah! Wow. Je t'ai eu, mon gars! Moi, je prends ça! Je prends ça, piste de plasma! Non, y'a pas d'armes comme je les aime! Tain, on se régale ou pas? On se régale, hein! C'est pas mal! On ça se fait bizarre bien, de défoncer des hunters en pleine nuit! Ouais, c'est vrai ça! C'est vraiment chelou! Oui, oui, oui! On se repère qu'avec leur liseré rouge là et tout. Des munitions. Ouais, c'est ça. C'est un peu dommage. Du coup, t'es obligé de tirer dans le tas et pas la jouer tactique. Il y a un point à 150 mètres et un point à 40 mètres. On va à celui à 40 mètres? Bah, non. Non. Je veux pas y aller. Non, non. On va à celui qui est le plus loin. Bah oui. On va peut-être trouver l'artefact hein, et on va devoir peut-être mettre un terme à la vidéo. Des petits soins. Oh non, voilà. La porte s'est fermée entre nous deux. C'est vrai. Ah ben voilà. C'est le destin qui nous sépare, Flerken. Non mais genre, je peux vraiment pas... Ah, oh, le destin nous rejoint. Enfin, nous remet ouais, ensemble. C'est très français. Ouais. Top. Top à la vachette. Bon. Ça, c'est quand on démarre la vidéo que je le dis. Top à la vachette. D'ailleurs, je dirais top à la vachette, mais les gens ne l'entendront pas. Ah, c'est par là-bas. J'ai vu les portes jaunes, c'est là-bas. C'est un peu trop beaucoup calme. Je veux des soins.
Ah non, mais c'est encore un audio. Mais non. Allez, hop. On s'en va. Fouille le secteur à la recherche d'une balise. Tu m'entends? J'utilise mon chat. Oh, il y a du monde en bas. Je suis descendu à l'ancienne Mombasa et... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, c'est le secteur qu'on doit fouiller? Je le vois. Un vaisseau covenant gigantesque. Pile au-dessus du centre-ville. Il y a un kiosque sur la plateforme. Station Makupa. Et le gros est mort. Oui. Excusez-moi. Pardon. Parfait. Hey, laissez passer. Virgile, ah, je sais qui c'est qui fait cet audio. Désolé. Ah ouais. Je la reconnais, cette voix de fille. Sadie, où es-tu? La gare de l'ancienne Mombasa. Papa. Oui, ça me parle aussi. Ouais. C'est un canon en plus, cette fille. Ah ouais? Oui. Papa. Ça me fait deux personnes. Enfin, bon, le premier, on l'a trouvé. Tu l'as trouvé, Kiwi. C'était Nathan Fillion. Nathan Fillion. Non, pas Fillion, pas le. Fillion, Fillion, je crois. Fillion? Je sais pas comment on le dit. C'est parce que je l'aime pas, de toute façon. Fillion, voilà. C'est pas notre poléolithicien, hein, c'est. Non, bah non. Je vais dire à Virgile. Désolé, papa. Elle le fait trop mal. C'est une connexion vidéo, Sally. Je vois bien que c'est toi qui fais ces. Ah, j'ai vu l'artefact. Péter ce truc, non? Virgile. L'artefact est au-dessus du truc là-haut, là. Je ne te laisserai pas te mettre en danger. Il va falloir monter. Ils arrivent. Par le bâtiment, je pense. Je ne sais pas. J'ai la porte qui s'est ouverte bien. On va progresser, on va, voilà. On va faire une progression. C'est parti. On dirait un truc d'horreur, hein. Putain, mais il fait noir là, j'y vois que dalle. On dirait un truc d'horreur, quoi. Voilà, allez, viens. Voilà. Si on tombe sur des ennemis ici. Ah. Oh oui, 100%, merci. Merci le jeu, merci le jeu. Ok. Tes grenades. Oui. Un vilain pas beau. Il est mort. Bon, ben c'est parti. Tu peux pas être tout seul, lui. C'est parti. Où est le reste de votre groupe, là? Dispersé, mort, j'en sais rien. Oh, il va tirer. On a besoin de toute tête disponible. C'est il trop tirer, bien. Il va défoncer la porte. Non c'est trop c'est bien, les petits amis, c'est trop bien. On va passer au niveau suivant. On va encore leur dire au revoir pour cette vidéo. On va se retrouver dans la prochaine très rapidement. Mickey, Boulevard, Kizengo. Attends, j'attends que la cinématique se lance et je coupe pour être sûr que ça sauvegarde bien. Attention, voilà. Hop, vite, 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 terminer la partie. Oui. Dépêche-toi. Yes, ça y est. Bon. Ouf. Eh bien, écoute, hein, on va leur dire au revoir. Je te laisse leur dire deux, trois mots. Je sais que t'adores ça en plus. Oui, oui, mais écoutez, bienvenue dans Halo 3. Nous avons fini ce troisième épisode, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Et puis, on se retrouve sur le 4. Hein, les petits amis. Les petits amis. Ah, c'est tellement bien dit. Allez, on vous dit à la prochaine. Salut à tous. Bye. Yes.